Salut, ici Steven Digital et dans cette vidéo, je vais te montrer comment récupérer ton mot de passe sur Gmail. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, ce que tu dois faire, c'est entrer déjà ton mail. Donc, tu vas entrer ton mail par exemple. Tu vas entrer ce mail-ci. Mais tu vas cliquer sur suivant. Donc, ici, dans saisissez votre mot de passe, tu vas tout simplement sélectionner ici mot de passe oublié parce qu'en fait, tu as oublié ton mot de passe et tu veux changer de mot de passe. Donc, tu vas cliquer sur mot de passe oublié. Et ici, tu seras prompté d'entrer le numéro avec lequel tu as créé le mot d'email. Donc, généralement, ce numéro, on va pas l'afficher, on va juste afficher les deux derniers chiffres. Donc, par exemple, on va saisir notre numéro. Et puis, on va cliquer sur suivant. Et puis, récupération du compte. Afin de protéger votre compte, Google veut s'assurer que c'est bien vous qui essayez de vous connecter. Vérifiez votre téléphone. Faites glisser la barre de notification vers le bas, puis appuyez sur la notification de connexion. Appuyez sur oui et saisissez 56 sur votre téléphone pour confirmer votre identité. Donc, si vous n'êtes pas connecté sur votre téléphone, vous allez choisir ici en bas, tout en bas ici sur essayer une autre méthode. Donc ici, tu peux recevoir un code de validation sur ton numéro, recevoir un code de validation sur ton numéro. Et ici, tu peux essayer de vous contacter d'une autre manière. On va cliquer dessus par exemple. Et ici, il y a d'autres éléments à utiliser votre téléphone pour confirmer que c'est bien vous. Google cherchera un signal Bluetooth pour vérifier que vous et votre téléphone est à proximité. Cela permet de prouver que la demande de connexion ne vient pas d'une personne se trouvant dans un autre lieu. Donc, si vous voulez essayer cette méthode, vous appuyez sur continuer. Donc, ici, on va rentrer en arrière. On va cliquer sur essayer. La page est fermée. Donc, essayer une autre méthode. Donc ici, il y a le numéro de téléphone. Encore une fois de plus, on va essayer une autre méthode. Donc tout ce que tu as à faire, c'est choisir l'un de ces éléments qui va te permettre de récupérer ton mot de passe. Donc généralement, lors de la création du compte Gmail, tu as utilisé un numéro de téléphone. Donc tu vas simplement pouvoir utiliser ce numéro de téléphone-là pour recevoir un code de validation qui va te permettre de changer ou de reconduire ton mot de passe Gmail. C'est aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est le cas, lâche un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésite pas non plus de t'abonner pour plus de tutos comme celui-ci. Et à très bientôt.